Allez, on va s'offrir pour la dernière fois de ce mois d'août un petit air de vacances, puisqu'on va vous emmener à la mer. Ce sont les grandes marées ce week-end et jusqu'à mardi, en bord de Manche et au bord de Mer du Nord. Bonsoir Marine Hague, vous êtes vous ce soir à Bréal, dans la Manche précisément. Le spectacle de ces grandes marées est magnifique, mais il n'est pas sans danger, Marine. Eh bien, effectivement, la mer n'est jamais sans danger, mais pour les 2000 pêcheurs à pied qui se sont retrouvés sur cette plage cet après-midi pour ramasser notamment des palourdes, eh bien, tout s'est bien passé. Aucun incident n'est à déplorer. Pourtant, on le sait, en période de grande marée comme en ce moment, eh bien, les courants sont très forts. L'eau remonte aussi très vite. Il y a donc un risque de se retrouver encerclé. Mais cet après-midi, les pêcheurs ont été très vigilants. Ils ont bien respecté les consignes de sécurité et ils n'ont pas boudé leur plaisir. C'est ce que vous allez voir dans le reportage que nous avons tourné avec Gabriel Camilla. Cet après-midi, l'eau de cette plage de Normandie s'est reculée de plus de 3 km. Un niveau particulièrement bas, car pour ce dernier week-end de vacances, ce sont les grandes marées. L'occasion pour locaux et touristes de s'adonner à la pêche à pied. On pêche des palourdes. Enfin, ce qui va venir, ça se trouve, je ne sais pas, on va avoir une coquille Saint-Jacques, un normo, peut-être un énorme tourteau, ça serait super. Je vais la nettoyer, après je vais la cuire. Et après, bah, je vais la manger et après, je vais peut-être mettre des frites avec. Mais partir pêcher à pied demande un peu de vigilance, car les courants sont forts et l'eau remonte à grande vitesse. Ces agents des affaires maritimes font aujourd'hui de la prévention. Vous connaissez les horaires de marée ? 16h30. 16h02 à Greville, un petit peu moins ici. Donc, il faut avoir une montre pour ça. Petit rappel des bons réflexes pour éviter des incidents encore trop fréquents. Sur cette semaine, nous en sommes actuellement à 7 opérations. C'est beaucoup de moyens qui sont déployés et c'est surtout un risque pour la vie humaine. Et ce ne sont pas les seules consignes à respecter. Les pêcheurs doivent aussi faire attention à ne pas ramasser de coquillages inférieurs à une certaine taille. Si vous prenez la palourde et que vous la posez dessus, si elle est plus petite que la taille, c'est qu'elle ne fait pas la taille. D'accord. Voilà, c'est la taille réelle. Hein. 4 cm minimum pour la palourde et pêche tout bonnement interdite de certaines espèces. Il faut faire attention à ce qu'on prélève, il faut des règles, c'est important. Et moi, c'est vrai que je trouve ça très très bien d'alerter les gens parce que c'est vrai qu'ils ne le font pas méchamment. On va être contrôlé en remontant. Hein. Donc, il faut pas prendre les petites. Voilà. Les pêcheurs doivent aussi remettre pierres et algues à leur place pour protéger l'écosystème et pouvoir continuer dans le futur à pratiquer la pêche à pied. Marée, avec d'importants coefficients ce week-end, la vigilance est renforcée du côté des forces de l'ordre. Ils étaient sur le terrain aujourd'hui à Saint-Martin-de-Bréal, près de Granville, pour une opération de prévention envers les pêcheurs à pied. Le reportage de Garo Kervorkian et Anaëlle Blanchard. Avec cette nouvelle période de grande marée, c'est l'occasion pour ces pêcheurs à pied de prolonger leurs vacances. Et ce samedi à Bréal, ils étaient très nombreux sur la plage. Alors, la préfecture maritime de la Manche en a profité pour sensibiliser un maximum de monde. Est-ce que vous êtes renseigné sur les horaires de marée ? C'est obligatoire. Et les coefficients, si les habitués sont bien présents, le mois d'août amène aussi une nouvelle population. On a aussi des personnes complètement étrangères hein, qui peuvent être estivants, même si on est en fin de période, mais voilà, qui n'y connaissent rien, qui viennent avec des enfants et qui sont complètement étrangers au milieu maritime. Pour les pêcheurs novices, non familiers avec les marées, ils préfèrent rester tout près de l'estran. J'y connais rien, donc on essaye de voir comment font les autres. Donc, voilà, je ne sais pas si on doit s'éloigner ou rester au bord de plage, donc on en a attrapé quelques-unes, mais... On a pensé l'expérience. D'autres sont bien conscients de leur environnement. Les horaires des marées, et puis on prévoit de repartir, surtout après la basse mer, qui je pense aujourd'hui est à 16h. Donc ici, c'est dangereux parce que nous avons une rivière là qui passe, et lorsque l'eau remonte, il faut vite s'échapper du coin pour ne pas être pris par la marée montante. En 2018, une centaine d'opérations de sauvetage de personnes isolées par la marée a eu lieu. Et cette semaine, les secours n'étaient pas en reste. Dernièrement, la préfecture maritime, avec le CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Jobourg notamment, ont conduit 7 opérations durant la dernière semaine pour des cas de personnes isolées par la marée. Ce dimanche, un coefficient de 113 est attendu sur le littoral de la Manche. Et pour rappel, le numéro pour les urgences maritimes est le 196.